Bonjour tout le monde, alors je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer quelque chose de totalement incroyable. Et bah c'est tout simplement ça, voilà. Un tas de tuya, voilà, de bonne facture hein, je pense. Non, c'est un tas de tuya, il est bientôt plus haut que moi. Et où est-ce qu'il est? Mais il est à côté d'un champ, il est dans un chemin communal. Bah oui, mais c'est normal, c'est vraiment l'endroit où fallait le déposer. Mais c'est totalement normal. Regardez le tas, comment il est immense, vraiment. Un énorme tas, ça a été béné par un camion, ça c'est sûr et certain. Mais je comprends pas l'intérêt de faire ça. Je comprends pas l'intérêt, le putain d'intérêt de faire ça. Sans déconner, on n'est pas la nature, les champs, les chemins ne sont pas des décharges publiques, putain. Je sais pas, en plus c'est pas comme si je suis à côté du 7 homme d'Evreux. C'est une déchetterie, voilà, un centre de recyclage, tout ça, aussi pour les déchets verts, machin. Et surtout centre de tri, déchets ménagers, tout ça. Et c'est même pas un kilomètre, c'est à peut-être 700 mètres d'ici. Je suis à Cracouville, Guichainville dans l'Eure, là, pour ceux qui connaissent. C'est, regardez, mais putain, mais le tas, il est immense. J'ai déjà vu des tas de merde au bord de parcelles, tout ça. C'est déjà vachement vexant, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est dégueulasse, quoi. On n'est pas des déchetteries. Mais alors là, c'est carrément un camion qui est venu déposer ça. Alors, c'est pas à côté de forcément la parcelle de mes patrons, hein, bien sûr, la parcelle juste derrière, mais c'est aux abords quand même, et je trouve ça mais tellement dégueulasse. Il y a des centres de tri, des centres de recyclage, il y a des choses qui sont mises en place, mais non, faut que ça finisse dans un champ. Mais c'est pas du tout la place du truc. Même un tas d'herbes, je sais pas, hein, les tas d'herbes, bon, ça se décompose peut-être légèrement plus vite, même si non, ça se fait pas à faire, d'accord. Mais là, un tas de tuyaux, qu'est-ce que vous voulez que ça disparaisse dans le temps? Le machin, il est immense. Les mecs qui sont venus déposer ça en se disant, bah oui, il y a un autre mec qui va s'occuper de ça. Bah oui, bah t'as raison, il n'y a pas de souci, vas-y, continue. Non, non, mais ça ressemble à rien, il faut vraiment que ça cesse ça, parce que ça devient n'importe quoi. On en voit de plus en plus. Et depuis le déconfinement, on en voit, mais j'en vois à tire-larigot, là, c'est pas possible. Il y en a partout. Partout, regarde, il y en a encore là. Et ça se trouve, il y en a encore dans le fond, je sais pas, mais c'est incroyable de voir ça. Vraiment, c'est incroyable. Alors, je veux juste faire cette petite vidéo, juste pour vous dire, si vous avez des déchets comme ça chez vous, vous avez des centres de tri proches de chez vous, normalement, je pense qu'il y a des déchetteries partout, vous devez pouvoir les porter aux déchetteries, sans problème. Alors oui, il faut sortir parfois peut-être un ou deux billets de sa poche, mais à un moment donné, pensez aussi à la planète, pensez à nous, et pensez à vous aussi, parce que ça reste votre planète, ça reste... votre environnement. Regardez, l'environnement, il y a un super cadre derrière, la forêt, tout, et il y a ça qui baigne dans le milieu. En plus, regardez, il y a même des déchets plastiques et une bouteille d'eau là. Non, mais enfin, franchement, faut être des porcs pour faire ça, c'est un truc de fou. À moi, ça me rend taré, vraiment. Donc voilà, mettez vos déchets à la poubelle, c'est tout. Même les déchets verts, c'est pas dans les champs que ça doit finir, c'est dans les déchetteries, dans les centres de collecte et de recyclage, voilà. Allez, et n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo, parce que moi c'est des trucs qui me saoulent vraiment. Donc je voulais, voilà, s'il y a des gens qui font ça et qui se reconnaissent dans la vidéo, bah franchement, remettez-vous en question très sérieusement.